c'est Chris Boire. Putain, c'est que t'as soif, hein. Et donc, il est gourmand. Il est pourtant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau tuto. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à mettre un like, un commentaire, c'est gratuit et ça fait plaisir. C'est une mitre. Aujourd'hui, nous sommes avec cette trottinette et elle va subir. Mais avant tout aussi, nous sommes avec Chris. Explique-nous pourquoi on est avec cette trottinette, pourquoi elle va subir avec nous aujourd'hui. Elle a vécu sa vie, elle a un nœud au taf, elle a fait ses 1000 km, plus de batterie, mais avec une bonne retraite. Si tu as des anecdotes, justement, tu dois en avoir pas mal, pas que sur la trottinette, je pense. Il t'a expliqué, non? Non. Il t'a pas expliqué? Non. Non. Non, non. Une fois, je vais chercher en bas de la rue, là-bas au fond, de nuit. Je vais le chercher, puis on monte là-dessus, on arrive là-devant. On a voulu passer la bordure, sauf que Malcolm, il a laissé tout son gros poids derrière. Là, la trotte, elle a glissé contre la bordure, et j'imagine un peu la suite. En même temps, il était une heure, il vient me chercher au rond-point. C'était la première fois qu'il montait sur une trotte, je crois, il a été baptisé. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois que je montais sur une trottinette électrique. Je t'ai dit première fois, chute. Deuxième fois, on recommence, allez, c'est parti. Mais ouais, c'est ça, en fait, c'est comme les tatouages, quoi. Au bout d'un moment, tu kiffes. Et du coup, t'en as d'autres, des anecdotes, à part le fait où on s'est pété la gueule à deux? Moi, j'ai déjà fait tout seul aussi, j'avais essayé avant. Dans un rond-point, comme c'est des roues en gomme, ça tient pas vraiment le bitume, du coup j'ai essayé de le prendre à l'allure maximum de la trotte, donc 25, et ça tenait pas, elle est partie plutôt tout droit que la elle avait pris son indépendance, on pourrait dire. Ça me fait toujours rire quand il parle du rond-point en trottinette, j'aurais bien voulu voir l'action. Ça fait bizarre quand la trottinette prend son indépendance, ça a l'impression un peu d'être abandonné, tu vois, mais bon. Quand t'atterris sur le bitume, tu regardes juste vite à tes esprits. Si tu remontes dessus, tu repars, hein, tant pis, t'as eu l'air d'un con pendant 2 minutes, c'est tout. Bah, j'ai juste eu un truc, mais vas-y, à raconter, c'est compliqué. Genre, j'ai voulu prendre un virage et la trottinette, en gros, elle a fait un 300. Moi non, mais la trottinette, elle a fait un 360. Toi, t'es resté par terre, quoi. Ça va, j'ai eu un réflexe, je suis retombé sur mes pieds, tu vois, mais. En gros, j'ai voulu faire un virage et la roue arrière, elle est partie devant. Elle a pris son indépendance. ouais, voilà. Et là tu vois, avoir Malcolm comme ça avec un gilet jaune, des barrières derrière, manque plus qu'un rond-point et c'est bon. Bah non, mais en vrai... T'as oublié la bouteille de rouge. Ouais, une bouteille de rouge et une pancarte. Gilet jaune, à pas le gouvernement. Bah, il veut pas se mouiller, hein. Merci chauffeur. Salut. Et 3, 2, 1. Ma voiture. Cherche un mec avec un gilet jaune, s'il te plaît, à la course. Comment je te fume, enculé ? Je te fume ! Vas-y, hey, je te laisse 2 secondes d'avance. 3, 2, 1, go !
Là, t'es à combien là? Ah ouais, non, c'est du mytho. Alors? Vas-y, vas-y, continue, continue. Continue. Ça va? Ouais. Tout doux, tout doux. Oh, c'est joli, boue. Qu'est-ce que t'es en train de faire, gros? Je mets en charge la trottinette. Gros, ça marche pas. Hein. Eh, t'as essayé avec des vraies pinces? Non? Et avec des vrais câbles et le moteur allumé pour essayer d'envoyer du jus, non? On fait avec ce qu'on a. Hein. On fait avec ce qu'on a. Et à ton avis, la corde comme ça, c'est conducteur? Peut-être mouillé, mais sec comme ça, je pense pas. Ça peut s'arranger, tu peux toujours aller plonger dans la flaque avec tes pinces. On en a vu pas mal de flaques, hein. Je vais pas le tenter parce que je suis pas assez con. Mais bon. Essaye avec des vraies pinces la prochaine fois. Essaye avec tes pinces. Parce que là, des vraies pinces que tu trempes dans une flaque. Là, ça donne rien. Ah, t'essayes de faire du cerf-volant. Ah, il s'est baisé la gueule. Ça sera pas coupé au montage. Alors la 206 dans le cul. Première réaction. Ça chaud. Fait mal. Ouais, bon d'habitude ça. Ouais, après t'as jamais essayé avec une 206, mais bon pour le reste ça va. On peut remarquer que après un petit coup. Ah, le frein est un petit peu dilaté. Bah t'inquiète, il va partir. C'est d'origine, c'est l'aérodynamisme. C'est... les ingénieurs l'ont conçu comme ça. On les remercie. Oh, mais on est toujours sur une question d'aérodynamisme. Ça, c'est pour un meilleur passage du flux d'air. Ça gênait. En vrai, pour l'attente quechua, on repassera. Ça gênait. Mais après, tu peux toujours t'en servir. Tu regardes, si t'as un problème avec ta voiture, ça fait toujours une roue de secours. Je te la laisse là. Peut-être qu'elle a pris un coup aussi de ce côté-là. Oh, effectivement. Alors, on peut constater, viens te mettre au-dessus du guidon, on peut constater que l'alignement n'est plus correct. Ah, donc, par rapport au guidon, on peut constater qu'il y a un petit problème d'alignement. Non, mais ça, c'est... trois fois rien, on voit peut-être pas beaucoup à la caméra, mais là, non, la on voit roue pas grand chose, mais oh. La roue a quelque peu désaxé, chef. C'est trois fois rien. Parce que les roues, on en avait pas besoin, c'était de la luge qu'on voulait faire à la base, non? Tiens. Non, mais j'en veux pas de ta roue. Ton nouveau end spinner. Alors, tant que Quechua. Toujours pas. Déplie-toi! Il te manquait un bout de la tente. Elle cherchait sa maman. Là tu filmes ma grosse tête. Non. T'as fait un zoom extrêmement près bizarrement. Non mais c'est pour voir ton inquiétude. Ah oui. Non. Premier pas ressenti. Du tout. C'est un peu trop près comme ressenti. J'essaye. Il essaye de la tirer en arrière comme s'il y avait encore la roue à l'arrière mais. Elle est partie. Non. Alors attends. Attends deux secondes Coco. Pars pas. Alors, je t'explique un truc. Tu vois l'aiguille juste là? Ouais. Tu pars pas tant qu'elle est pas arrivée dans la zone là. Ok, comme ça. Non, tu passes ou à 5000 peut-être, il va pas péter, non? Non. Ouais, tente au moins à 3000. On va pas le tuer tout de suite. Allez bisous. On y va. Tu vas doucement comme j'ai dit hein. Attention avec le contour. Vas-y. Allez vas-y. Toi et moi, j'ai pas eu un ressenti de 3000. Non, 5000. En vrai, je pense qu'on aurait pu faire un démarrage vénère. Ouais. Ah, j'avais peur en fait de voir te casser la gueule. On en a parlé un peu en entre nous, mais on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Genre, je te lance et après, j'y vais direct. Ouais, mais là, ce que tu peux faire, c'est au début, tu vas doucement. Ouais. Et d'un seul coup, tu pars. Pas direct, mais. Ouais,
Oh, un bâtard. Oh, stop. Oh, putain. Oh, oh. T'as cru que c'était la voiture à ta mère ou quoi? C'est toi, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Descends de la voiture, gros. Regarde. Oh merde. Attends. C'est conçu en usine exprès pour ça. Oh putain. T'as dit que tu pesais 80 kilos, Malcolm. Ouais, t'es sûr, toi. Nous sommes sur du matériel de qualité, tu peux nous montrer un peu comment ça marche? Ah, ouais. C'est montable, démontable. Acheté chez Ikea. La qualité. Étincelle, partie 2, action! Vas-y. Ça va? Allez, accélère! Il y a la bordure! Là, il va accélérer après. Stop. Trottinette, 1, Malcolm, 0. Allez, viens chercher! Viens chercher la trottinette! Viens chercher! Elle est à qui? Elle est à qui la trottinette? Hey! Tu voulais pas un plan pour qu'on la tire par terre? Le ressenti à chaud, Malcolm, alors ça fait quoi? Ça fait mal au pied, ça. Le plus frustrant, faire abandonner par la trottinette ou de se casser la gueule de la trottinette? Non, se faire abandonner par la trottinette. De se faire abandonner par la trottinette. Et perdre une roue au passage. Tu la méritais pas, c'est pour ça qu'elle est partie. Putain de merde. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Bah, je vais changer la roue. La faute? Ouais. Ok. Putain, on met ta voiture sur cric et on fait genre, on essaye d'adapter celle-là sur ta voiture. Ouais, mais juste pour le plan, après, ouais, tu ouais, vois. Juste pour le plan. Bah attends, on va déjà faire enlever le roue de la caisse. Ouais. Non. Ah, l'enlever de ma caisse. Il enlève une roue. Non, pas enfin, la monter sur cric, ok, mais pas enlever une roue, je peux. Si t'as peur pour l'arrière, t'en fais une à l'avant. Ouais, mais non, encore, si tu veux, on met sur cric, on la lève et on met la petite roue à côté. Ok, mais pas de montage de... Ah, moi, tu t'es monté, il y a qu'un plomb. En fait, elle est sur clic, après on l'a remet. C'est une roue. Ouais, mais bon, là c'est bien. Quand tu crèves sur l'autoroute, tu fais le dépanner. Sur l'autoroute, ça va mieux, mais sur la route. Ah non. Du coup, on l'a pas regardé. Ah. Bah, elle est un peu rayée sur le côté. Tu peux constater que. Le garde-boue avant a un côté un peu plus, un peu plus aérodynamique. Hein, ouais, là on voit des beaux effets de rayures. Ah ouais, mais ça c'est d'origine. Assez stylé. Je pense qu'on va lui en mettre un peu plus dans la gueule. Attends, c'est peut-être de ce côté-là. Ouais, le côté. Il manque un phare, le phare droite. Ah. Et ici, ouais, des petites rayures par-ci par-là. Mais ouais, ça tient bien. Le guidon a été un petit peu mangé par l'asphalte, dirons-nous, mais bon. C'est comme le pneu, c'est fait exprès, tu vois. C'est les trucs qu'on envoie dans la gueule à Malcolm, ça. Oh. Voilà. Bon, allez. Bon, tu peux même la mettre dessus, mais là, dessus. Ah non, mais là, ça fait mieux, vu que t'es sur le garde-boue. En vrai, ça fait... Ah, y est, nickel. Un tracteur. Moi j'aime bien. Je pense que là c'est mieux pour la tracter, hein. Bah carrément. Là on peut faire du tout terrain. Faut faire la même à l'avant. En vrai, il y a moyen qu'elle tienne. Hein. Oui, mais tu vas avancer. Non, bah non, ça roule une roue. Hein. Ouais. Voilà, comment changer une roue sur une poisson. Non, bah on va tester le carreau, hein. Maintenant on va tester le kit. C'est incassable ou c'est pas incassable? Bon, on peut constater déjà au phare que je pense que la qualité... Attends, mais pourquoi... Imagine, tu tombes. Hop. Par accident, une petite pierre. Tu as heurté cet écran comme ça. Oh. Ouais, bah non, là.
elle supporterait pas l'impact. Attends, j'ai l'impression que. Non, non, non. C'est... Et admettons, tu tombes sur un cric. C'est de moins ça donne de qualité. Quoi ah oui, effectivement. Si tu tombes sur un cric, c'est pas pour effectuer. Et c'est vrai que c'est assez répandu en trottinette de tomber sur des crics. Ouais. Pour ça que j'avais vu la pierre. Lui, il a vu la pierre, mais moi, je vois plus gros. Ouais, c'est vrai que c'est plus souvent le cric quand on tombe dessus. Ouais. Il vaut mieux qu'elle tape l'écran, la pierre, que ton orifice. Et le, et le phare. Le phare, moi, je pense, bah, on peut constater ici. Ouais, je pense que, ouais, non, c'est pas de la qualité. Non, c'est... Ah, c'est pas du matériel de professionnel. J'achète pas. Je suis désolé, je la prendrai pas. Franchement... Bon, désolé pour ton ventre. Moi sur l'annonce déjà, quand, j'ai vu l'annonce, elle avait les deux roues. Vous m'avez parlé plus, j'ai tout, mais j'avais pas bien compris dans ce sens-là. Non, c'est... Regardez votre... Il y a un poids plus à l'avant que l'autre, c'est bizarre. C'est pour combler le bras de la branlette. Peut-être parce que le moteur est à l'avant. Et qu'il n'y a plus de roue à l'arrière aussi. Ça joue peut-être au niveau de la dispersion des masses. Là il rame là. Ah ouais, là on dirait que. Non, en fait, là il était parti sur le geste qu'il connaissait le mieux au départ. D'ailleurs, tu pourras mettre un petit ralenti avec une musique. Allez, squat. D'habitude, la barre n'est pas dans ce sens-là. Oh putain. Ne pas faire les bras avec une trottinette, ça fait mal. Et on peut faire les courses comme ça. Hein. Avec une trottinette dans la main, les courses dans l'autre. Ouais, on voit déjà à ta tête que t'as l'air d'être en train d'en chier. Donc on s'imagine tous faire ça demain dans le supermarché. Bah, bien sûr. Ah, la muscu avec une trottinette, c'est casse-couille. Arrête, tu vas la casser. J'ai qu'une main. Oh putain, la chute lente en plus. Sa mère. Mais oui. Non, en fait, avec ton poids tout de suite, tu m'as fait monter. Vraiment, regarde, vas-y, refais-le. J'étais comme ça dessus et tu m'as fait monter si en fait. Ça fait levier, je l'ai vu ton bon ralenti. On peut dire que la direction, ils ont pas. Ah putain. Problème. Pour moi, elle roule encore. Ah. Ah. J'ai entendu un crack. Hein. Ça se plie. Si ça s'ouvre, il manque une partie là, derrière. Je crois qu'elle pique, je viens de voir elle depuis cet été. Bon, tu mets un gros shoot ici, là, comme ça. Donc, voilà. Alors. Comment est montée une trottinette? Si je te tape avec le gros caillou là-dessus. Vas-y. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le commentaire. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Et du coup, je voudrais bien voir vos avis. T'en as pensé quoi, toi, de ce tuto? Plus résistante que j'aurais pu. Franchement, j'aurais pensé qu'elle aurait pété dans les premiers
notre première fois on l'a tiré, mais franchement ça avait d'histoire quand même, hein. Elle a donné du fil à retordre. C'est vrai qu'elle n'était pas vraiment prête pour sa retraite, mais bon, elle a une retraite forcée. Retraite forcée, indépendance. Qu'elle repose en paix. Oui, c'est sûr que par contre la Roiré a très vite pris son indépendance. On a pu remarquer qu'elle a pas supporté le petit vol plané. Le cadran, les phares. Donc pour le baptême de l'air sur une trottinette, c'est pas le bon plan, c'est pas ce qui marche le mieux, on peut voir. Faire des étincelles, vaut mieux faire ça dans la soirée. De nuit, ouais. Parce que ouais, une fois qu'on avait perdu la Roiré, ça aurait pu être beau, mais là il va falloir attendre trop longtemps sinon. Puis bon, c'est un peu trop tard. Alors, vous l'aurez compris, comment finir une trottinette électrique en 2022, en 2023, en 2024, ça restera le même. Abonnez-vous, likez, commentez. Merci à tous. La semaine prochaine, la 206. La semaine prochaine, la 206.